Bonjour à toutes, bonjour à tous. Voici 5 raisons pour jeûner par intermittence. Le jeûne par intermittence, c'est ne pas manger pendant un certain laps de temps au quotidien. Mais avant ça, mets un like car ça aide à faire connaître cette vidéo. Merci. Première raison, vous allez économiser du temps et de l'argent. Vous allez dépenser moins, vous allez acheter moins d'aliments. Mais également, vous allez utiliser moins d'énergie, moins d'électricité, moins de gaz. Vous allez être plus écologique. Votre argent est mieux dans votre poche. Et si vous investissez cet argent économisé, vous allez même pouvoir gagner de l'argent. Vous allez également gagner du temps, car vous aurez moins de courses à faire, moins de choses à préparer, moins à faire la cuisine. Cela nous amène à la deuxième raison, qui est moins d'efforts, moins de peine. Vous allez avoir beaucoup moins de peines physiques qui sont liées notamment à la digestion. Et au quotidien, vous aurez moins à faire à manger. La troisième raison est que vous allez être en meilleure santé. Vous aurez plus d'énergie toute la journée. Vos pensées seront plus claires, plus vives. Et d'une manière générale, vous aurez beaucoup plus de vitalité. Et cerise sur le gâteau, vous allez manger beaucoup moins de sucre. Par exemple, si vous sautez le petit-déj. Quatrième raison, c'est que vous allez avoir une meilleure estime de vous-même. Les autres vont le voir, que vous êtes beau, plein de confiance, plein de vie, fort, en bonne santé, esvelte. La cinquième et dernière raison, c'est que vous allez atteindre vos objectifs de vie plus rapidement. Car forcément, tout est beaucoup plus facile lorsque vous avez plus d'énergie, plus de concentration, quand vous travaillez plus facilement, que vous êtes plus positif, tout ça, ça aide. Et maintenant, très rapidement, nous allons voir comment. Voilà, c'est très simple. Le jeûne intermittent, c'est un jeûne au quotidien. Le but étant de jeûner un maximum d'heures en continu, c'est-à-dire sans manger. Le minimum recommandé est de 18 heures sans manger au quotidien sur 24 heures. Je vous montre un exemple. Vous faites sauter le petit-déj. Vous mangez à 13h le repas du midi, vous mangez à 19h le soir. Vous avez une période de 6h pour manger. Le reste du temps, 18h sans manger. C'est cette période-là qui va être votre période de jeûne quotidien. Pendant cette période de 18h, vous ne mangez rien. Vous pouvez juste boire de l'eau, du thé, du café, des tisanes. Cette durée de temps peut baisser. Certaines personnes au quotidien mangent que pendant 3h. Et jeûne pendant 21 heures. Les bénéfices sont encore plus importants. Et à l'extrême, certaines personnes ne mangent qu'une seule fois par jour, par exemple le soir, pendant une heure. Donc elles mangent pendant une heure et jeûnent pendant 23 heures au quotidien. Pour commencer, il vaut mieux juste faire sauter un repas et je recommande le petit-déj. Vous verrez que le matin, vous aurez plein d'énergie, au moins jusqu'à midi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonne-toi et like!